remember, with great power comes great responsibility. I have an army. We have a Hulk. Who are you? I'm that girl. She with you? I thought she was with you. You. How did you do that? I'm Supergirl. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. What a ride! Première forme de Suicide Squad, ça sort dans The Brave and the Bold numéro 25 en 1959. C'est créé par Robert Kanigher, qui est également éditeur sur le titre, et c'est dessiné par Ross Andrew. Et ça n'a pas grand chose à voir avec l'équipe qu'on connaît qui va être adaptée au cinéma. En fait, c'est juste 4 personnes. Donc il y a le colonel Rick Flagg, qui est accompagné de sa petite amie Karine, et également 2 scientifiques, et c'est une équipe qui est créée pour aller faire des expéditions sous-entendu suicide, mais en fait qui sont juste des aventures très, très romanesques, avec principalement des grands monstres et des gros dinosaures. Donc c'est des récits un peu sous forme d'aventures guerrières, mais qui ont un côté Silver Age qui est très développé. Les 4 protagonistes font partie de cette équipe parce qu'ils ont en commun le fait d'avoir vécu des missions auparavant, dans lesquels leurs coéquipiers sont morts, et ils leur ont tous dit la même chose, c'est de poursuivre le combat. La notion de suicide, là, c'est juste pour dire que leurs missions sont très périlleuses, mais il n'y a pas de personne qui va mourir ou qui prend de réels dangers. Le contexte de The Brave and the Bold à l'époque, c'était que les personnages qui étaient publiés dans cette série revenaient sur la demande du lectorat. Donc en fait, Suicide Squad, ça apparaît donc dans le numéro 25, c'est-à-dire 3 numéros avant la création de la Justice League of America, donc c'est quand même une équipe qui est assez ancienne, et ça reviendra sur un second run de 3 numéros avant de disparaître complètement. We're the Patsies. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. Suicide Squad qui va en fait rester la version de celle qui sera la plus connue, surtout la plus appréciée de tous. Elle est créée par John Ostrander en 1986-87. En fait, la première fois qu'elle apparaît, c'est dans un crossover qui s'appelle Legends, donc qui est le premier crossover d'importance qui sort après Crisis on Infinite Earths. Et c'est dans ce crossover en fait que Darkseid essaye de mettre à mal les héros qui sont présents sur Terre, pas forcément en les faisant s'affronter contre d'énormes créatures, mais surtout en les discréditant, en leur montrant en fait qu'ils servent à rien. Il envoie certaines de ses créatures, et il y a une créature qui réussit à mettre complètement à mal la Justice League of America de l'époque, et donc qui va être dissoute après. Et en fait, c'est là que donc il y a une personne qui s'appelle Amanda Waller qui agit pour le gouvernement américain, qui va mettre en place cette équipe de Suicide Squad, c'est-à-dire une équipe de super vilains pour lesquels on leur propose de faire des missions qui véritablement sont suicidaires contre une remise de peine. I'm invoking priority level ultraviolet. Assemble Task Force X. We have another suicide mission. C'est Deadshot qui est membre original de la Suicide Squad. Il y a aussi Captain Boomerang, qui est donc un super vilain australien qui utilise des boomerangs pour accomplir ses méfaits, et qui est utilisé un peu vraiment comme le boulet de service. Et c'est quelqu'un qu'on aime, c'est vraiment le personnage antipathique au possible, qui est donc qui est arrogant, qui est sexiste, qui est lâche, qui par exemple va entraîner la mort d'une de ses partenaires simplement parce qu'elle aura refusé ses avances auparavant. C'est vraiment le personnage qu'on se plaît à détester, mais qui du coup va rester vraiment pendant toute la durée du run d'Ostrander. Il y a aussi Bronze Tiger, qui est plus très utilisé maintenant comme personnage, mais en fait qui est utilisé par Amanda Waller comme une sorte de garde-fou. C'est-à-dire que vu qu'on met tous ces vilains ensemble, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui essaye un peu de gérer la situation et qui essaye de contrôler ce qu'ils font. Donc Bronze Tiger, c'est aussi un des membres qui sera présent pendant très longtemps. Il y a quelques membres qui sont en fait qui sont présentés parfois comme des héros qui vont rejoindre les rangs, comme Vixen, donc qui a le pouvoir avec un totem d'utiliser les capacités de tous les animaux de la planète, qui en fait est au premier abord dans la Justice League, qui va tuer des gens sans vraiment le vouloir, qui va donc se retrouver dans la Suicide Squad. Et cette équipe là dans ce crossover Legends va réussir à battre le premier vilain, et en fait John Ostrander met les bases
de cette notion de suicide en faisant mourir l'un des membres, donc Blockbuster, qui est donc le premier membre de cette équipe à mourir. Le crossover Legends, ça a permis aussi de mettre en place des équipes et des personnages pour des séries qui allaient être lancées juste après. Donc Suicide Squad, c'est une série qui est lancée juste après, donc qui est écrite par John Ostrander avec l'artiste Luke McDonald et l'encreur Carl Kesel. Et pour les premières missions, à chaque fois, il y a un des membres qui meurt. Et en fait, ce que peut faire John Ostrander, c'est qu'il a un casting qui est très important, ce qui peut utiliser tous les vilains un peu lambda du DC Universe. Any other stupid questions? Yeah. What's in my neck? A tracker? Yes. And a powerful nanotech explosive. Run away, get yourself captured, disobey an order. Hell, give me a right answer too slowly and I'll blow your head clean off. Et c'est là aussi qu'on en vient au fait que John Ostrander arrive vraiment à développer la psychologie de ses personnages. Pas forcément chacun dans chaque numéro, mais au fil des arcs narratifs qui sont exposés, on arrive à s'attacher à tel personnage, à leur psychologie. On voit que tous les personnages ne sont pas là pour les mêmes raisons. Il y en a qui font ça, par exemple, parce qu'on leur promet quelque chose. Donc, par exemple, Deadshot, on lui dit qu'il va pouvoir retrouver sa fille. Il y a toujours sa famille qui est très importante pour lui, donc on lui dit que c'est ça. Il y a Enchantress, en fait, qui est une personne qui s'appelle June Moon, en fait, qui est possédée par l'entité Enchantress qui est en fait maléfique, et on lui promet qu'on va réussir à trouver un moyen de s'en débarrasser si elle accepte de faire ses missions. Enchantress. Jesus Christ. Meet the Enchantress. Amanda Waller, c'est une femme une femme afro-américaine qui travaille pour le gouvernement américain, qui est un personnage très fort de caractère parce qu'elle a un passé très dur. C'est-à-dire que c'est une femme qui, en l'espace de quelques mois, quelques années, va perdre deux de ses enfants à cause de la violence dans le ghetto dans lequel elle vit. Donc son fils se fait tuer, sa fille ensuite se fait violer puis assassiner également. Son mari essaye de se venger, il se fait également tuer. Elle est vraiment marquée à vif, elle va se décider donc de se reprendre les études et de se lancer donc dans une carrière politique, et elle va en arriver donc à être l'instigatrice de la Suicide Squad. C'est une femme qui est très forte de caractère, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Elle tient tête à tout le monde, même à Batman. C'est-à-dire que la première fois qu'ils se confrontent et que Batman essaie d'arrêter la Suicide Squad parce qu'ils forcément ils font des opérations qui ne lui plaisent pas, elle lui dit clairement si tu essaies de mettre des bâtons dans les roues, je dévoile au monde entier qui tu es. Et donc c'est une des rares personnes avec qui Batman peut pas vraiment agir. Elle tient aussi tête de toute façon à tous les membres de la Justice League par exemple. Elle a vraiment peur de personne. Et en fait, ce qui est intéressant dans sa façon de fonctionner, c'est qu'elle est tellement jusqu'au boutiste qu'elle choisit exprès aussi des personnes qui sont là pour la freiner un peu, parce que sinon c'est en termes d'éthique elle a presque pas vraiment d'état d'âme. C'est à dire que faire mourir des personnes pour le bien de sa mission, c'est pas quelque chose qui la dérange, et c'est souvent en fait pourquoi elle est toujours en conflit avec les membres de la Suicide Squad. Ce qui est aussi intéressant, enfin pas intéressant, mais une des caractéristiques surtout d'Amanda Waller, c'est que physiquement c'est une femme très forte, et justement qui lui vaut le surnom de mur, c'est, on l'appelle The Wall, et parce que c'est une personne qui est gigantesque et qui fait vraiment, enfin qui donne une apparence d'être un bloc quand on est face à elle. Remember, I'm watching. I see everything. I am your consequence. Au niveau des histoires que John Ostrander fait, c'est quelque chose qu'il arrive à mettre en contexte avec son époque. Donc c'est dans les années 80, bientôt années 90, donc c'est la fin de la guerre froide, et il y aura bientôt donc la chute de l'URSS. Et par exemple, au début, on voit que la Suicide Squad est en lutte avec un groupe de super-vilains qui s'appelle The Jihad, qui est un groupe de super-vilains qui est recruté au Moyen-Orient pour mener une sorte de guerre sainte contre les États-Unis, sauf qu'ils le font pas par vocation, mais surtout pour l'argent. C'est une sorte de monétisation des super-vilains. Il y a aussi des missions qui vont surtout donc faire ressortir un peu les craintes des États-Unis à cette époque-là. Donc il y a le Moyen-Orient, il y a aussi la Russie, ils vont faire plusieurs missions, ils vont essayer de sauver des prisonniers politiques qui sont en Russie, alors que parfois ils veulent pas être sauvés. En termes de retombées sur les héros, Deadshot a gagné beaucoup de popularité, et notamment aura eu droit à sa mini-série écrite par John Ostrander également. Et c'est aussi un membre du coup qui va se retrouver plus tard dans un autre groupe qui s'appellera les Secret Six, qui a été écrit et surtout rendu célèbre par Guy Simon à l'époque de Infinite Crisis, et qui, pour lequel John Ostrander va également coécrire un arc qui s'appelle Danse Macabre.
Don't forget, we're the bad guys. Il n'y a pas eu vraiment de grandes menaces vraiment personnifiées de la Suicide Squad, mais ils ont quand même eu affaire à une organisation criminelle assez importante qui s'appelle Cobra. Donc c'est un peu une sorte de secte de méchants qui vénèrent une divinité à l'allure de serpent et qui rêve grosso modo de dominer le monde. Et cette organisation a conduit au premier et au seul crossover de Suicide Squad sous l'ère Ostrander. La Suicide Squad va être confrontée à une autre agence gouvernementale qui est en fait la deuxième division de la Task Force X. Donc cette organisation qui s'appelle Checkmate, qui est une organisation donc secrète, mais qui n'emploie pas de super vilains. Et les deux organisations en fait vont se liguer l'une contre l'autre parce que Cobra les manipule. Et le but, ben, c'est de détourner leur attention afin de pouvoir, en gros, ben, détruire tout le système de communication sur les États-Unis et le monde et faire un lavage de cerveau global pour pouvoir remodeler le monde à leur façon. Donc le premier run de Suicide Squad, ça dure 66 numéros. Alors il y a aussi un annual qui est fait pour la série. Il y a aussi un mini numéro spécial avec la Doom Patrol, qui est une autre équipe qui est aussi assez noire dans son fonctionnement, parce que c'est aussi des héros qui peuvent mourir. Donc en fait, c'est le colonel Rick Flag, patron de la Suicide Squad, qui va se joindre à la Doom Patrol au cours d'une mission en fait où tout le monde va mourir sauf lui. Donc ça va durer donc pendant quelques années, donc jusqu'au 66e numéro, puis ça va s'arrêter avec la dissolution de la Suicide Squad. On sent quand même une sorte d'essoufflement lorsqu'on lit tout le run d'un coup, une sorte d'essoufflement dans les histoires. Et pendant pas mal d'années, la Suicide Squad va apparaître de temps à autre dans d'autres séries. Donc par exemple, il y aura de courts numéros dans une série Manhunter ou un arc de 3 numéros dans la série Superboy. Mais pour avoir de nouveau un titre Suicide Squad officiel, il faudra attendre l'année 2001. Ce sera Keith Giffen qui va relancer le titre. Keith Giffen, c'est celui qui est co-créateur de la Justice League internationale. Et il essaye quelque part d'insuffler aussi une sorte d'humour dans cette équipe. C'est une équipe de bras cassés complètement. Et en fait, dans cette équipe aussi, ce qui va changer, c'est qu'à quasiment chaque numéro, l'équipe a un casting complètement différent, puisqu'il s'amuse à tuer tout le monde. D'ailleurs, le premier numéro, on nous présente une équipe qui est décimée. En fait, c'est plus du tout Amanda Waller qui en est le responsable, c'est le Sergent Rock. Sergent Rock essaie de monter une seconde équipe dont les trois quarts sont morts au deuxième numéro et ainsi de suite. Et il faut attendre en fait la moitié de cette série qui fera 12 numéros pour revoir en fait Deadshot qui fait son retour quand même. Et également pour voir des vilains en fait qu'on arrive à vraiment à reconnaître dans le DC Universe comme Killer Frost par exemple, parce que tous les autres vilains en fait, alors je les connais pas tous, mais t'as l'impression que c'est limite des vilains qui sont créés juste pour servir de char à canon. Donc c'est une série qui va pas connaître un succès très fort parce qu'elle est quand même elle a quand même un feeling très différent de ce que faisait Ostrander, qui va durer seulement sur 12 numéros et surtout avec un twist de fin où on s'aperçoit que les deux dirigeants de ces Suicide Squad, donc qui étaient le Sergent Rock et Bulldozer, en fait sont morts depuis 1945, et donc les deux personnages qu'on a suivis pendant toute la série, en fait c'est simplement des mecs qui se faisaient passer pour eux. They're bad guys. Exactly. En 2008, John Ostrander revient sur son titre pour une mini-série en 8 numéros qui s'appelle Suicide Squad Raise the Flag, où en fait, il va faire une énorme retcon sur le personnage de Rick Flag. Donc un retcon, c'est simplement reprendre des éléments du passé et modifier ces éléments pour pouvoir créer son histoire dans l'heure présente. Dans un de ses arcs de Suicide Squad, qui avait été un des plus marquants, le colonel Rick Flag, qui est membre présent depuis les débuts, se suicide pour mettre fin à l'organisation Jihad. Et en fait, ce qu'il nous raconte donc dans cette nouvelle mini-série, c'est qu'en fait, Rick Flag n'est pas mort, mais qu'au cours de son affrontement avec le chef du Jihad, ils sont passés par une faille spatio-temporelle, ils se retrouvent dans le royaume de Skatarsis, qui est en fait un royaume ancien peuplé de dinosaures. Donc pendant les quelques premiers numéros, en fait, il va permettre de raconter ce qui s'est passé avec Rick Flag et surtout de le faire revenir dans le présent, dans lequel Amanda Waller, du coup, reforme la Suicide Squad pour aller sauver Rick Flag. Et pendant la seconde partie du numéro, en fait, ce sera une histoire un peu plus semblable à ce qu'avait pu faire John Ostrander par le passé, avec une menace vraiment importante à détruire, avec des traîtres infiltrés dans la Suicide Squad, et un récit qui est assez jusqu'au boutiste, mais du coup qui durera donc que 8 numéros, juste le temps de faire revivre ses membres. Et après, il faudra attendre donc les New 52 pour avoir un relaunch de cette équipe. You're going somewhere very bad. Whoa! Do something that'll get you killed. Go save the world.
Donc en 2011, DC lance son relaunch New 52. Et il décide donc de relancer donc 52 titres, et Suicide Squad fait partie donc de ces titres, parce qu'ils essaient quand même de faire des titres un peu guerriers, un peu espionnage, ils essaient quand même d'avoir une gamme plutôt diversifiée, et donc c'est quand même le relaunch, je pense, qui va le plus changer la Suicide Squad, notamment au niveau de sa composition, mais aussi de son orientation, parce qu'il y a donc plusieurs personnages qui font leur apparition dans cette team, qui ressemblent un peu maintenant à celle qu'on va avoir au cinéma, donc il y a notamment Harley Quinn qui va être intégrée dedans. What? Il y a toujours Deadshot. Dans le début, il y a par exemple El Diablo qu'on va suivre dans le film. Il y a King Shark. Et surtout, ce qui est intéressant de voir dans ce run-là, donc qui est écrit par Adam Glass au début, c'est que Amanda Waller est complètement changée au niveau de ses origines. Ils l'ont affinée maintenant, en fait, c'est une femme qui est très belle, très fine, qui rejoint en fait les clichés des femmes de comic books américains. Donc des années 2000, et surtout en fait c'est qu'ils en font une femme de terrain, alors qu'avant c'était quand même une bureaucrate qui donnait les ordres, mais qui se déplaçait rarement sur le terrain, sauf à de très rares occasions. Et là en fait on apprend qu'elle a été membre d'une équipe militaire qui s'appelait la Team 7 auparavant. Effectivement, elle a été endeuillée par la perte d'un de ses compagnons, c'est pour ça qu'elle s'est dit puisqu'elle a tellement mal vécu cette perte, qu'elle s'est dit que maintenant elle voulait travailler avec une équipe pour lesquels la perte ce serait quelque chose avec lequel on peut se faire, et donc d'où la Suicide Squad. Et donc c'est une femme qui n'hésite pas à prendre les armes, à se battre, qui est athlétique, qui tire dans le tas, et c'est quelque chose d'assez déconcertant à retrouver vraiment, et qui je pense aura certainement un peu heurté le lectorat à cette époque. Who are you people? NSA? CIA? My name is Amanda Waller. I thought you Argus guys were supposed to be more subtle. For us, this was subtle. Concernant l'orientation de la série Suicide Squad façon New 52, en fait, c'est maintenant devenu une sorte de grosse série B. C'est très bourrin, ça se tape énormément dessus, ça tire, c'est presque très gore par moment. Donc il y a par exemple le personnage de King Shark, qui est un monstre humanoïde mi-requin, mi-homme, qui n'hésite pas à dévorer ses adversaires. C'est très rentre-dedans aussi, et puis on oublie complètement, en tout cas du moins pour une partie du run d'Adam Glass, le côté un peu espionnage, politique, antiterroriste, menace interne, pour juste en fait une sorte de Black Ops très, très actionneur, où en fait, par exemple, le premier arc, c'est une menace zombie dans un stade qu'il faut juste contenir pour éviter que le public soit au courant, donc faut aller tuer tout le monde, histoire que personne n'en rachète. Puis après c'est une émeute dans la prison de Belle Rêve où est cantonné la Suicide Squad, pareil, faut tuer tout le monde. Et surtout, par rapport à Ostrander, où l'équipe, malgré le fait que ce soit tous des super vilains, ils arrivent quand même à fonctionner ensemble. Dans le run Suicide Squad New 52, en fait, c'est chacun pour soi tout le temps. Et donc c'est à qui trahira le plus l'autre, qui fera le plus de coups bas. Et donc par exemple, King Shark dévore aussi les membres de son équipe. Donc c'est vraiment quelque chose de très violent, très gore, qui vaut mieux apprécier comme une série B plutôt que d'essayer vraiment de rechercher la subtilité. Let's do something fun. Aussi une place très importante qui a apporté Harley Quinn, où les auteurs décident d'explorer son passé, parce que c'est là aussi ils en profitent pour lui faire de nouvelles origines, dans lesquelles c'est Joker qui l'a créé en la plongeant dans une cuve d'acide. Harley Quinn qui du coup aussi devient énormément sexualisée, qui fait un peu la lumeuse de service, c'est aussi quelque chose avec lequel le lectorat aura du mal. Et surtout Harley Quinn du coup ça devient un peu aussi le personnage sur lequel on va se concentrer parce qu'il est populaire et parce qu'on n'a pas grand chose à raconter. Donc par exemple, dans les derniers numéros, pour finir la série, plutôt que d'essayer de conclure une histoire et tout, on va faire un one-shot sur une histoire de Harley Quinn plutôt que de s'intéresser à l'équipe. Donc c'est aussi quelque chose qui est un petit peu dommage. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. La Suicide Squad va s'arrêter à son 30e numéro durant les New 52 et va être tout de suite relaunché sous le titre New Suicide Squad. Où là donc c'est de nouveau l'auteur Sean Ryan qui va reprendre les commandes et va décider de reprendre un peu ce que faisait Ostrander en envoyant du coup là la Suicide Squad dans des missions à l'international. Donc ils vont aller en Russie ou en Chine, ce qui représente un peu les craintes actuelles du régime américain. Très centré sur de l'action,
sur du gore aussi, ça reste toujours très sanglant, et aussi sur le fait d'avoir une dynamique un peu malsaine entre les personnages qui se détestent vraiment tous entre eux. Et là-dedans, par exemple, il va y avoir des nouvelles incursions de membres. Par exemple, Joker's Daughter, qui est une des créations les plus désastreuses des New 52, mais qui va quand même être dedans. Et du coup, ça va créer une dynamique de conflit avec Harley Quinn, parce que les deux ont Joker comme modèle. Et ça va être très redondant, par exemple. Et il faudra attendre, en fait, un nouveau changement d'auteur pour que New 52 Squad redevienne assez intéressant dans notre période récente. Donc, c'est Tim Seeley qui va arriver, qui était co-auteur de Grayson, et qui va être accompagné de l'artiste Juan Ferreira. Ils vont redonner une dynamique en créant des histoires beaucoup plus intelligentes et qui s'axent beaucoup plus sur l'esprit d'équipe. Et surtout, Tim Seeley va être énormément aidé par Juan Ferreira, qui est un artiste qui était d'abord de plus dans le milieu de l'horreur, mais qui va monter chez DC après avoir fait une série qui s'appelle Gotham by Midnight, et qui va très sincèrement, je pense, être l'artiste à retenir vraiment dans les runs récentes de Suicide Squad. Donc là, la série s'est arrêtée avec son 22e numéro et va être relaunchée avec Rebirth. Donc ça, c'est l'opération qui est actuellement en cours chez DC Comics. Et là, on sent vraiment que le film va influencer la publication, parce que DC Comics met du coup ses meilleurs auteurs et artistes dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir Rob Williams à l'écriture. Donc Rob Williams, c'est un auteur qui s'est illustré chez Vertigo sur une série qui s'appelle The Royals, de très bonne qualité, également actuellement sur Unfollow, qui est également très bon. Chez DC Comics, il s'est illustré en faisant par exemple Martian Manhunter, qui était aussi excellent. Et donc on va lui confier les rênes de Suicide Squad avec l'autre comme artiste principal, Jim Lee. Donc inutile de présenter Jim Lee ni l'importance que ça a pour DC Comics. Il va y avoir en fait des petits backups de 8 pages qui seront faits aussi également par des artistes. Le premier, c'est Jason Fabok, qui est un des meilleurs artistes de DC actuellement. Donc on sent vraiment là que DC veut booster à fond cette publication, notamment parce qu'il y a le film qui sort. Et c'est à ce niveau-là aussi que, en termes de composition de l'équipe, c'est là que c'est exactement la même que celle qu'on va voir dans le film de David d'ailleurs. Deadshot, guy shoots people. He's a crocodile and he eats people, burns people. You're possessed by a witch and she's just crazy. Donc il y a une première mini-série qui est sortie l'an dernier qui s'appelle Suicide Squad Most Wanted Deadshot Katana. Donc il va se concentrer donc sur deux personnages qui sont également présents dans le film. Donc il y a une histoire écrite par Brian Buccellato sur Deadshot, et une autre donc qui est écrite sur Katana, et qui ont tous les deux des orientations différentes. Il y a également des numéros spéciaux qui sortent exprès. Donc par exemple en avril, on a eu Harley Quinn and Suicide Squad numéro spécial du 1er avril. Là qui est vraiment fait pour capitaliser sur Harley Quinn, dont on fait déjà beaucoup la promo pour le film, et là encore c'est avec la Suicide Squad. Il y a une nouvelle mini-série Suicide Squad Most Wanted avec El Diablo et Captain Boomerang, qui sera ensuite remplacée par Killer Croc en octobre. Donc on voit vraiment que DC Comics, sur le papier, essaye aussi de mettre en avant tous les personnages de ce film, et à mon avis c'est quelque chose qui va pas s'arrêter. Il y a également un one-shot War Crimes Special qui doit sortir au mois d'août. Je pense que c'est quelque chose qui va s'installer sur la durée, et notamment parce qu'on sait déjà aussi qu'un second film est en préparation. Donc DC Comics fait naturellement de l'exposition en papier sur les choses qui sortent au cinéma, en espérant donc que ça va rameuter des nouveaux lecteurs. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Alors Joker, par rapport à Suicide Squad, ça sent vraiment un peu l'argument purement marketing, parce que même dans le run 52, Joker, on le voit dans des flashbacks, notamment pour voir sa relation avec Harley Quinn et comment il l'a créé au final. Il intervient également dans un crossover qui avait touché les titres Batman qui s'appelle Death of the Family. Suicide Squad est également touché par le crossover, mais uniquement par rapport à Harley Quinn. Et en fait, c'est deux numéros qui sont extrêmement violents, où en fait Harley Quinn retrouve Joker alors qu'elle le pensait mort. Ils se battent limite à mort, et en fait c'est là que Harley Quinn va vraiment s'émanciper de Joker. Elle va dire c'est bon, je suis plus amoureuse de lui, parce que de toute façon c'est un vrai malheur. Une autre chose assez amusante avec Suicide Squad, et notamment par rapport à son orientation politique, c'est que les auteurs essayent d'ancrer donc la Suicide Squad aussi dans le monde réel.
Et donc ça se lie notamment par rapport aux craintes qu'avait l'Amérique au moment des publications, mais aussi par le caméo de président des États-Unis. Donc par exemple dans le numéro Secret Origins 14, qui est un tie-in de Legends, du crossover Legends, on voit l'ancien président Truman, qui était donc président des États-Unis dans les années 50, qui, pour faire le lien avec la première Suicide Squad qui était créée. Et en même temps, dans Legends, lorsque les héros sont discrédités par Darkseid, il y a le président Ronald Reagan qui décide du coup d'interdire aux super-héros d'exercer leur activité. Et on voit Superman qui lui dit « D'accord, président, même si je suis pas d'accord avec vous, je vais le faire quand même. » Et on voit également Amanda Waller qui discute avec lui pour mettre en place la Suicide Squad. Beaucoup plus récemment, en fait, dans le numéro qui sort tout début août du relaunch Suicide Squad, en fait, l'ouverture de ce one-shot commence par Barack Obama qui dit à Amanda Waller « Vous arrêtez tout, la Suicide Squad, vous avez fait beaucoup trop de dégâts. » Et Amanda Waller qui va quand même réussir à le convaincre de laisser la Suicide Squad opérer. Donc, ce qui entend que notre président américain est au courant de l'existence de cette équipe et qu'il a peut-être des choses à se reprocher. Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? Au niveau des apparitions dans les donc dans d'autres médiums, dans d'autres médias pardon que les comics, donc il y a forcément eu quelques apparitions dans les séries animées, notamment dans la série Justice League Unlimited où ils apparaissent dans un épisode qui s'appelle Task Force X. Et c'est plutôt Amanda Waller qui a un rôle plus important dans le DCAU, donc le DC Animated Universe, où notamment elle aura un rôle très important par rapport à Batman et surtout à Batman Beyond, puisqu'elle va en fait un peu être responsable de la naissance de Terry McGinnis. Donc c'est quelque chose qui sera expliqué vers la fin de l'animé Justice League. The thought of a world without Batman was unacceptable. So I decided to make a new one. I used my old Cadmus connections to gather the technology necessary for Project Batman Beyond. Il y a aussi eu des apparitions plus récentes dans les séries télévisées, donc il y a Smallville, mais notamment Arrow, où c'est assez intéressant en fait, parce que Arrow a essayé de faire sa propre Suicide Squad. Donc il y avait Bronze Tiger dedans, il y avait Deadshot, il y avait Shrapnel, ils ont même essayé d'intégrer une Harley Quinn. Welcome to the Suicide Squad. Mais entre-temps, il y a eu le projet de film qui s'est dessiné, qui a été officialisé. Du coup, la Suicide Squad de Arrow a été décimée. Un épisode où ils font sauter tout l'Argus. Amanda Waller meurt aussi. Et c'est parce que les plans étaient réservés pour le cinéma. Et on a vu souvent dans certaines interviews des producteurs que les gens de Arrow l'avaient un petit peu mauvaise d'avoir été obligés d'éliminer leur équipe à cause des plans de Warner Bros. Ah non, not her. Trust me. Come on, chocolate pudding, let me out. I want to play. I want to play. Let's move. Hey, let me out. Sinon, au niveau des apparitions plus récentes, il faut également citer leur apparition dans les jeux vidéo. Donc, il y a eu le jeu Batman Arkham Origins de Warner Bros. Games Montréal, où à la fin, il y avait donc une scène post-générique du jeu où on voyait donc que différents méchants qui s'en prennent à Batman au cours du jeu sont recrutés par Amanda Waller pour former un début de Suicide Squad. And what happens if I don't sign? You rot in here, or you work for me? Pour les lecteurs VO, il y a tout qui est disponible. Et pour les lecteurs VF, Urban Comics a commencé à éditer Suicide Squad The New 52, donc la version un peu bas de plafond. Mais au mois d'août, elle profite donc de l'arrivée du film pour rééditer le run de John Ostrander sur Suicide Squad, donc dans un ouvrage qui s'appelle Les Archives de la Suicide Squad. Et donc ça, c'est un ouvrage qu'on invite à DC Planet, tout le monde à se procurer, parce que ça va permettre vraiment de mettre au devant un superbe run d'une très bonne équipe créative sur une équipe lorsque le concept est correctement exploité, est tout simplement génial. Welcome to the Suicide Squad. Come on.